candidat parti diaspora haïtienne pour Haïti a Level François passé dans radio Kiskeya pour le fait qu'on est jusqu'à présent il peut recevoir aucun communiqué conseil électoral provisoire qui dit lui mettait le dehors dans course électorale là comme candidat à la présidence. Monsieur François voulait jeter parole qui dit qu'il a condamné aux États-Unis pour trafic crack à cocaïne et puis il préciser prénom li c'est Level pas gain téladan. Level François t'est parlé dans micro d'Hydro Parent. Jusqu'à présent, c'est dans la presse que m'tendé gain un communiqué qui sorti que yo gain intention écarté dans course électorale là, mais jusqu'ici, m'pa recevoir aucun message qui dit un bagage comme ça. Et jusqu'à présent, m'pa aucune raison valable pour ta retirer après que et nous fin passer épreuve que CPA te mettre en courrier qui sont ces périodes de contestation que nous passons. Nous sommes comme un candidat qui est agréé. Donc, il n'y a aucune raison qui existait. Et juridiquement parlant, il n'y a aucune raison qui est capable de dire que le CPA pourrait être capable de retirer encore sans avoir aucune notice que vous prendre une décision. On note que quand il permet de dire, pour raison libre, c'est que vous êtes condamné aux États-Unis pour trafic de crack et de cocaïne. C'est ça que vous évoquez, mais vous mettez dans notre. Jusqu'à présent, c'est faux. Premièrement, moi, vous mettez un nom qui est attaché avec moi, c'est pas un nom ça, nommé L-E-V-E-L avec François, c'est-à-dire si il y a un monde qui est le Velt François avec T alors, qui a passé une carrière comme ça aux États-Unis. Donc d'ailleurs, c'est la première erreur que vous faites. Et avant que un monde d'apprendre une décision comme ça, une institution comme CEPA, il y a un cadre juridique qui t'a dû adresser. Le monde qui concerne à moi-même, t'a dû d'abord convoquer et puis pour me répondre, est-ce que c'est moi-même? Et d'ailleurs, je crois que comme qu'on est tout comme journaliste, il y a pour présenter une preuve dans le niveau ça qu'on a parlé à gagner toute une procédure qui doit suivre pour évidence la cas compétente faut la sortir enfin dans le tribunal compétent aux États-Unis et puis certifié et passer à travers le département d'État des États-Unis pour le cas venir délivrer aussi à on ne peut pas aller sur internet pour lui un nom peut-être qui semblait avec Pam ou bien Jean Louel là pour le prendre pour le courir en rumeur pour le dire OK bon Level François c'est Level ça et puis on nous supposé prendre décision contre ça c'est très très arbitraire m'pas croire que CEP, ça t'est arrivé faire un bagage comme ça jusqu'à présent même pas quoi. Ou pas reconnaître que t'es impliqué dans ce genre de action ça. Allégation que me tendez non. Ou tout beaucoup touché mais information que vous mettez dehors parce qu'il est dans la presse c'est qui sont compte fait. Bon premièrement on garde gagne un avocat qui a l'œuvre et puis on dit tout d'ailleurs allégation que vous portez même non cadre que t'as vrai comme un citoyen haïtien pas quoi une raison parce que n'a parlé de la loi américaine qu'on va passer aux États-Unis par rapport avec loi haïtienne qu'on va qui a passé ici dans Haïti. M'a pas Haïti fait loi pour tout le monde qui est dans le monde. Haïti il fait loi, il fait pour loi pour citoyens qui sont ici en Haïti. Nous sommes citoyens haïtiens, m'a jamais changé nationalité, nous sommes citoyens natifs natal. Par contre, moi j'ai un cadre loi citoyen haïtien. Et nous gagnons un avocat qui entreprend quoi c'est perdre un sommet déjà pour dire est-ce que c'est vrai? Il fait un bagage comme ça. Là au fin ba nous preuve est-ce que c'est yo deal et pour qui raison pour yo deal qu'on y a on va aller au tribunal pour dire est-ce comment? Quelle preuve à qui côté vient bagage ça? Dia, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas.